Allez, salut à toutes et à tous, on attaque le 8e colosse, non pardon, le 9e colosse cette fois-ci. Un colosse qui se trouve dans l'eau, j'espère que vous allez bien. C'est Holobat. Alors juste histoire de vous prévenir avant de commencer la vidéo, donc comme l'épisode précédent et celui-ci ont été tournés en même temps, dans la foulée, la même erreur du coup s'est répercutée également sur cet épisode 9, donc pas de son du jeu, désolé. Je vous laisse aller voir la description pour le pourquoi du comment, etc. Enfin bref, on s'en fout. Allez à l'épisode 10 si ça vous rebute complètement, ce que je comprendrai complètement, et switcher cet épisode. Je ferai un récap dans l'épisode 10 de toute façon. Merci de votre compréhension. Alors qu'un aigle. Ah, je vais essayer de le choper, tiens. Ce serait bien que j'y arrive un jour. Non, trop tard. Si vous connaissez un spot où je puisse choper l'aigle, parce qu'en fait il y a un trophée pour rester longtemps sur l'aigle. Alors vous savez que je suis pas hyper attaché au trophée, mais enfin si je pouvais en avoir quelques-uns, je ne dis pas non non plus. Et de mémoire, je l'avais même pas eu sur PS3 alors que j'avais bien insisté pour l'avoir, mais. C'est pas évident de les choper ces aigles. Ou alors il y a un spot que je ne connais pas. Voyons un peu la carte, comment on l'a découverte un petit peu. Donc le dernier c'était celui tout en bas à droite. Ce qui était le lézard. Et aujourd'hui, ça va être une espèce d'humanoïde qui aime faire trempette. Ah, je vais essayer de le choper. Oh oui! Oh mercredi! Bon, la dernière fois, on avait réussi à se choper un poisson. Là, cette fois-ci, c'est un aigle. Mais enfin, on n'a pas réussi à faire le vol nécessaire pour avoir le trophée. C'est pas grave. Parce qu'en fait, il faudrait vraiment que ce soit juste avant une falaise. Genre, il vient et pouf, on s'accroche. Par contre, si Aro, il vient, ça serait bien aussi. Et du coup, ben, on volerait sur plusieurs mètres. Ça serait assez sympa. Allez, viens, pépère. Ensuite, c'est là-bas. Où es-tu? Là-bas. Et oui, il est là. Voilà. Aro qu'on peut changer aussi, on peut le mettre en blanc. Mais faut, je pense, avoir fini le jeu une fois déjà. Et je vous ferai une vidéo bonus sur un endroit un peu particulier dans le jeu. Si j'ai la, si on va dire si j'ai pas la flemme d'augmenter mon endurance à fond, je vous ferai un épisode bonus. Un épisode bonus donc avec un endroit où il faut escalader très très haut. Un endroit un peu caché. C'est pas quand même les geysers déjà? Non, il me semble que c'est pas lui tout de suite. Ou alors je me serais trompé? Il n'a pas dit qu'il était dans l'eau? Ou alors c'est moi qui bois peut-être, c'est possible. Oui mais, hein. Allez, on avance. Allez, les gens font s'impatienter, là, ça va commencer à se voir qu'on se fait chier. Voilà. Mais merde, c'est de l'autre côté, tourne, tourne, tut, tut. Allez, on y va. Ouais, c'est vraiment le colosse avec les geysers. Alors, c'est vraiment très très chaud, hein. Celui-là, il est pas évident à avoir par contre. Ouais, c'est celui-là, je suis sûr. Si c'est lui, je me la coupe. Enfin non. Puisque c'est certainement lui, je vais éviter de dire des choses pareilles. C'est ça! Mon Dieu! On dirait une tortue géante. Bonjour. C'est moi, je suis là. Putain, il fait bader, regardez, il reste. Oh, il restait immobile comme ça, c'était flippant. Oh, le pauvre cheval. Ah oui, alors là, le cheval lui aussi peut prendre cher, alors c'est pas le moment de faire le fonjo. Où est-il? Où es-tu? Oh purée, il fait bader ce con. En fait, l'idée c'est de le foutre sur un. Ah oui, voilà, ça me revient du coup. Il faut le foutre sur un geyser. Faut l'attirer déjà jusqu'ici.
Celui-là, il est vraiment furax aussi. Ils sont armés, hein. Ils sont pas sans défense, en fait, comme on pourrait le croire, les colosses. Hein. Enfin, mis à part leur taille immense et la possibilité pour eux de nous tuer, hein, simplement en nous marchant dessus. Mais finalement, ils ont pas vraiment d'armes, en fait, à proprement parler, à partir de... sauf à partir de l'épisode précédent, qui était le lézard. Que si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir. Vous verrez qu'il avait déjà deux bonnes attaques. Assez importantes. Il commence vraiment à être important et dangereux, là, le danger qu'ils peuvent représenter, en fait, commence vraiment à être important, là. Bonjour. Allez, viens par ici. Sinon, je vais leur casser les oreilles longtemps avec la musique. Ah, il est très très stylé, hein. Excusez-moi. Allez, il y a un geyser ici, on va essayer de le mettre là, c'est le plus proche. On est là. Voilà, ça donne ça quand on se fait toucher. Désolé aggro. C'était pas voulu vraiment. Pour une fois c'est vrai en plus. Allez accroche, accroche, accouche. Non, pauvre bête. Bon c'est pas grave, il va... regarder. Là il devrait... La puissance de la terre fera trembler même ce colosse. Ouais, je sais. Ah, je sais, ouais. Voilà. Ça, il se le prend, là. Il se le prend ou pas? Il s'emballe. Il s'emballe. Il s'emballe total. Merde! T'as quelque chose dans l'œil juste là. Oh, purée. Ah ouais, ça fait un petit peu... Ah, ça y est! Le geyser qui fait son office. Mais je sais plus. Ah ouais, il faut taper là-dedans, du coup. Oh purée, bon, on le sait pour la prochaine fois. Restons aux alentours. Ah purée, il me touche bien, hein. Si je suis pas sur le cheval, c'est foutu, quoi. Viens par ici, aggro, j'ai besoin de toi. Merde, je voulais faire un truc assez stylé, mais ça n'a pas marché. Ah, ça y est. Ah, il s'en fout, hein. Faut vraiment que ce soit sur lui, quoi. Ça y est? Ça y est ou pas? Pas du tout. Allez, mais là, tu te le manges, là. Ah, ça y est. Je suis pas bien placé. Putain... Regardez-moi ce monstre, quoi. Il est stressant. Oh là là, immense. Il fait bader. Celui-là, par contre, c'est certainement l'un des plus gros, par contre. Hein. Alors, pareil, hein, je ne parle pas de la taille en longueur, mais bien en épaisseur, entre guillemets. Bah oui, je sais, mais... Vas-y, les dire. Non, mais reviens là, aggro, tu vas te faire écraser, mon dieu. Oh, il me fait peur. Ouais, j'arrive. Regarde, on est à deux maintenant, on est bien, on est fort à deux. Ça y est. Attendez, faut que je sorte de... Faut que je descende du cheval. Quel monstre.
Mais il fait plus son laser. Ah, voilà. Ouais, il fallait que j'en parle. Oh là là. Je crois que c'est parce que j'étais trop sur son flanc, du coup il me calculait pas tant que ça. Ça y est, c'est notre chance. C'est notre chance. Oui! Les deux? Je me souvenais pas de ça. Voilà, il tombe. Et tu tombes là, tu tombes, voilà. Perfect! Par contre, par où il faut monter là? Oh merde, il s'est retourné évidemment. C'est incroyable, cette masse! C'est vraiment impressionnant. Ouh, la queue! Allez, grimpe, tu sais le faire quand même. Ah, par contre, là, je sais pas du tout où faut aller. Ah, les poils, ils sont là. Ah, les poils, ils sont... Ah, je les avais pas repérés. Ah, il faut grimper le plus vite possible sur son corps, là-bas. Avant qu'il se relève, ça serait bien. Voilà, impeccable. Là, il s'agit de pas se péter la gueule. Oh, purée. C'est l'heure, voilà, super. Ah, le réveil qui sonne, désolé. Oh, c'est parti. Alors, on va commencer par le plus évident. Accroche-toi ou je te... Putain! Si je me pète la gueule de cette façon, c'est vraiment triste. Ah, le cheval qui continue de faire sa balade. La balade des gens heureux. Et ça y est, je viens de prendre 50 ans aux yeux de mes viewers. Ah, il aime pas ça, évidemment. Ouais, je sais que c'est pas agréable, mais c'est qu'un mauvais moment à passer. Promis, après ça se passera bien. Alors, on y est presque. Et du coup, il n'y a qu'un seul symbole, c'est ouf, c'est encore plus simple que ce que j'aurais cru. J'aurais peut-être dû passer en difficile, du fait que je connais le jeu. Il y aurait un peu de challenge. Mais bon, faisant mes débuts dans les let's play, je me dis, faut peut-être que je prenne quelque chose d'un peu plus simple pour pouvoir gérer le commentaire en même temps, sinon vous m'entendriez jamais. C'est peut-être mieux, je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Ça y est. C'est la fin. Dors bien. Et de neuf.
D'accord, je vois. Cette fois-ci, je vois, sans me tromper, qui on va devoir affronter dans l'épisode 10. Merci de m'avoir suivi jusque-là. L'épisode est un peu plus court que d'habitude, mais bon, c'est pas plus mal. Du coup, je vous souhaite eh bien, une bonne nuit si vous allez vous coucher. Bonne nuit, les petits, n'est-ce pas? Bon courage si vous allez travailler, et à la prochaine pour l'épisode 10. Il nous reste donc, attention, calcul savant, 6 colosses. 6 colosses, 5, non, 7 colosses, oh, le mauvais, attention, calcul mental foireux. Enfin bref, allez, des bisous, à la prochaine.